Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre partie complète du jeu de Mimose et sa mes bouillottes. Ben, c'est vrai qu'il y a bouillotte dans le jeu. C'est un jeu de Thomas Dagel Espérance et illustré par Caton. Caton qui a fait, dans le fond, avec Mimose et Sam, des livres. On les a pas lus, ces livres-là, nous. Nous, on se lance directement dans ce fameux jeu de 2 à 4 joueurs qui joue 5 ans et plus en 15 minutes. Emiliana, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 4 ans! Ah ouais, 4 ans? Puis, est-ce que tu sais compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, puis à peu près, j'y vais. Parfait, ça va plus vite à la fin, hein? C'est plus rushant à la fin, hein? Alors, Emiliana, Mimose et Sam, toi, t'as joué beaucoup à Mimose et Sam avec moi. C'est comment on joue à ce jeu-là? Ben, au début, ça va avoir 3 comme ça. Savoir 3 comme ça. Là, tu fais Spider-Man? Non! Qu'est-ce que tu fais? Ça fait... Au début, ça fait 4. 4 quoi? 4 fruits. Ah, voilà! C'est que c'est un jeu asymétrique où un des deux joueurs va jouer le... voleur. Qui, lui, son but est d'avoir 4 fruits et de revenir au centre en criant « J'ai les fruits! » Bref, on a nos 3 autres personnages qui est Mimose, Sam et... C'est qui, elle? Bouillotte. Bouillotte. Et là, comme on joue à 2 joueurs, tu vas seulement devoir choisir 2 personnages. Lesquels tu veux? Moi, je veux les 3. Non, tu peux juste en avoir 2. On se mettra pas à s'obstiner. Thomas d'Agenel Espérance a passé des années à travailler sur ce jeu-là. On se mettra pas à s'obstiner sur ses règles. On essaie de vous montrer les vraies affaires. C'est pas vrai, là. On est pro ou on n'est pas pro. Alors, Emiliana, quel des personnages tu veux? Est-ce qu'on y va directement avec Mimose et Sam? Non, non, non. Lui et Bouillotte. Parfait. Alors, à deux joueurs, tu vas avoir ces 2 détectives-là. Et votre but est de découvrir qui, parmi tous les personnages qui sont ici, est le voleur de fruits. Alors, en gros, tu sais, l'histoire de tout ça, c'est que c'est la fête. Et là, on va devoir essayer de trouver c'est qui le voleur de fruits qui essaie de tout voler nos fruits. Oui. Mais parmi tous ces gens-là, parce que... Il faut tout régler la maison, sinon on ne peut pas trouver le médecin. Il s'enfuit déjà. C'est ça, parce que le voleur, il n'est pas dans sa maison. C'est le seul parmi toutes les gens qui sont dans leur maison qui n'est pas dans sa maison. Moi, j'ai ce personnage-là, un personnage qui est ici autour de ce quadrillé-là. Et là, le but d'Emiliana, ça va être de brasser les dés et de faire promener ces personnages pour aller trouver qui je suis. C'est un jeu de déduction. T'es lui ou lui ou lui ou lui? Jamais je vais te le dire. Il va falloir que tu me découvres. C'est pas vrai que je vais donner tous les indices à tout le monde. Alors, c'est un jeu de déduction, puis à toutes les fois qu'on va revirer une petite maison, on va mettre un X sur le personnage et un X sur un autre personnage jusqu'à découvrir le dernier. Puis à ce moment-là, il faut se retourner ici au centre, puis paf, on dit « Je crois que vous êtes Louise ». Et moi de dire oui ou non. Et si oui, ben t'as gagné. Sinon, j'ai gagné. Alors voilà, vous avez pas mal les règles pour jouer à Mimose et Sam. Emiliana, est-ce que tu es prête à te lancer? Oui. Oui un peu ou oui beaucoup? Beaucoup! Alors, Emiliana, aujourd'hui, tu vas interpréter les détectives et tu vas essayer de trouver qui est moi, le grand méchant voleur. Et le jeu commence par le voleur. Alors, je vais lancer les dés. Et je vais déplacer mon voleur en recherche de fruits. Donc, je peux me bouger de 4, Emiliana. Est-ce que tu es prête? 1, 2, 3. 4. Il y a des fruits qui sont des bons fruits et des fruits pourris. Le but, c'est vraiment de retrouver mes 4 bons fruits. Là, c'est à toi. Tu vas brasser les dés, mais comme on joue à 2 joueurs, il y a une petite subtilité, c'est que chacun des personnages doit avancer. Fait que tu dois distribuer combien de déplacements chacun va avoir. Ok, vas-y, doucement. C'était sûr, ça va tout le temps tomber. Et Emiliana pitch les trucs. Hop! Tiens, 1-1, puis tu peux rebrasser celui-là doucement. 1-1-1. Alors, il y a un de tes personnages qui va avancer de 1, puis l'autre va avancer de 2. Fait que c'est pas un gros coup, là, présentement. Ok, je vais avancer de... 1, 2, parfait. Hé, hé, hé! T'es pas sur la case. Puis celui-là, ici, il va avancer de 1.
Ah, pas les diagonales, hein, tu le sais. Les diagonales dans le jeu Mimos et Sam sont pas acceptées. C'est seulement orthogonal, ça veut dire dans les... C'est comme une croix. Alors, tu vas aller... Ah, ici. Parfait. Ton tour est fait? T'as déjà fait un premier tour? Comment tu te sens? Bien! Est-ce que tu sens que tu vas me péter à gueule? Oui! J'aurais pas dû dire ça. OK! Arc, moi aussi, j'avance de 3. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais aller chercher celui-là. À ton tour. Oh. On va mettre ça. Alors, 1, 1 et 1 encore. Ben voyons, on est vraiment des petits chiffres, hein, nous? Est-ce que c'est un oiseau? Moi, je me considère comme un humain. Hein? Non. Est-ce que c'est un oiseau? Attends, je vais regarder. Oh non. Oui, je suis un oiseau, Emiliana. Fudge. Ça veut dire, Emiliana, là, qu'en début de partie, tu vas pouvoir mettre des X sur tout ce qui n'est pas un oiseau. Vas-y! Ah, ok, ok, ok. Tout ce qui n'est pas un oiseau. Non, non. Oui, c'est Charlotte, c'est un petit oiseau. Fait que ça fait en sorte que présentement, avec un premier coup de chance, Emiliana vient de faire en sorte qu'elle a maintenant 4 chances de me trouver. Sur les 4 x 4, 16. Ça fait mal, ça. Tac, tac. Ok. T'enlèves, puis là, tu peux. Hop, l'amener ici. C'est un oiseau! C'est un oiseau! C'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Vas-y, mets un X sur Irène. Je peux pas croire que t'as trouvé Irène. Bon, c'est à mon tour, là. Vite, faut que je trouve des fruits. Ok, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Et 1. C'est à toi, Emiliana. Je vais avancer une maison? Ben, à voir, hein. Oups. Oups. Sur Jules, sur Tic. Jules. Tic. Pauvre Jules. Pauvre petit Jules. Fait que c'est toi qui choisis où tu veux aller. Ça, c'est moi. Tu touches pas. Oh my god! Yes! 2! Fait que là, tu peux aller chercher ce qu'il y a en dessous. C'est pas un oiseau! C'est pas un oiseau, ce qui est parfait pour moi. Ça me donne un petit peu plus de temps. Fait que là, t'as fait ton 2. 1, 2, 3 et 4. Exact! T'es trop bonne! C'est pas un oiseau! Super! Super, super, super! Fait que là, t'as fait le 4. 6, le 7, le 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais non, je vais sarcer la maison. Non, non, non. Pas de trissage. Oh, 4. 1, 2. Et 3. Exact. C'est pas un oiseau. Super. Oh, c'est plate pour toi, pauvre petite. C'est plate, hein? Là, il te reste. T'as fait 3. Il te reste un déplacement. Super! OK, à mon tour! Oh my god, oh my god, oh my god! 1. Bien entendu, quand on arrête dessus, ça n'arrête pas le mouvement. On peut continuer son mouvement, vous le voyez depuis tout à l'heure, mais je vous le confirme. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Boucle. Moi, dans la vie, je n'ai pas de petite boucle. Mais est-ce que t'as une petite boucle? Oui. Oui. Oui! Oui, je suis un oiseau à petite boucle! Je sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Ça va, Emiliana? Alors, Emiliana, t'aurais présentement un nom. Que tu penses qui parmi les 16 personnages sont... et le méchant. Tu penses que c'est celui-là le méchant, le voleur, la voleuse, Amélie, de surcroît. Alors, ton but maintenant, c'est d'aller à l'étoile puis de dire que c'est Amélie. Là, t'as bougé ici. Et là, il faut que tu avances ton autre personnage de 4. Essaye donc de 4. Est-ce que tu peux l'avancer jusqu'à l'étoile de 4? 1, 2, 3, 4. Et là, tu peux dire la chose? C'est Amélie! Eh bien, Emiliana... T'as raison!
Tu m'as battu, mais à plat de couture. Somme toute, j'avançais quand même bien. C'est j'avais mes trois fruits. Le méchant. Tu voudrais-tu qu'on le fasse? On peut essayer. On peut s'amuser à le faire maintenant. Papa, il va aller tout remélanger. Puis, on va échanger de place. Bing! OK, on y va. Maintenant, c'est toi, la méchante. Ça, c'est ton personnage. T'as pas le droit de me le dire. Regarde-le bien. T'as pas le droit de me le dire. Regarde-le bien. T'as pas le droit de me le dire. C'est bon? OK. Parfait. Alors, moi, là, j'ai envie que ce soit Bouillotte. Puis, elle. Et c'est toi, le méchant, qui commence. Ton but, c'est de ramasser les fruits non pourris. Fait que lance-moi ça, puis commence. Mais aussi, tu peux ramasser des maisons. Oui. Non, tu ramasses pas de maison, toi. Ah, pourquoi? Mais parce que t'es rendue une voleuse. Oh, juste OK. Fruits. Alors, t'as 5. Vas-y. 1, 2, 3. Un fruit pourri. Un fruit pourri. Tu peux continuer? Pète. Parfait. C'est à mon tour. Tu vas voir. Tu vas avoir une dégelée, ma chouette. Pas vraiment. 1, 2, puis 1. C'est à toi. Tu es maintenant la grande voleuse. Anciennement appelée Amélie. 5 encore. 1, 2. Ouais, OK. Tu peux regarder ton fruit. Un fruit bon! Oh yes, t'as déjà un fruit bon! Bien entendu, on les garde face cachée, mais quand on joue avec un enfant, puis c'est l'enfant qui joue le voleur, on peut très bien les garder face visible, comme ça, il y a une possibilité de plus facilement savoir quand il rentre à 4 fruits. 3, 4, 5. Ouais, tu veux aller chercher la pêche? Vas-y, tu peux le prendre. Citron! Yeah! Bon, déjà 2 fruits pas pourris pour toi. Laisse à mon tour le là. Je vais faire 1, 2. Ramasser, c'est pas Émile. Je vais faire 1, 2. C'est pas Béatrice. Puis il me reste juste 1. Je vais faire 1, comme ça. C'est à toi. Oh yes. Tu vas avancer de 6 encore. 2, 3. Mettons, c'est approx, là, mais je l'ai calculé, ça fonctionne. Un fruit bon! Je vais péter un corps. Ça, c'est 2, ça. 1. Que je te voie, ma petite tricheuse! À mon tour! Je vais te dérober. Je vais savoir qu'est-ce que t'es. Rapidement. Je vais faire... 1, 2, 3. Emiliana, regarde bien ton personnage. Est-ce que c'est un oiseau? C'est-tu un oiseau pour vrai? C'est un oiseau pour vrai? OK, OK. C'est un oiseau, didi. J'ai trouvé ton oiseau. Oh, pas Calette. Calette, c'est un oiseau. Tout, tout, tout. Il m'en reste juste 4. Fait que ça, c'est mon premier mouvement. Premier mouvement. Là, je pense qu'il me restait... Faites 1, 2, 3. Il me reste 4. Fait que je vais faire 1, 2, 3. Gustave, on l'a déjà vu. OK, 6. Alors là, Emiliana, là, tu peux amener ton voleur ici pour essayer de voir si ça, c'est un bon fruit. T'es-tu prête? Mm-hmm. Fait que tu fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Est-ce que c'est un bon fruit ou c'est un fruit pourri? Un fruit pourri! Ça me va! T'es-tu prête? Oui. OK. Donc, tu fais les bons calculs, mais ils se revolent un peu partout. OK, c'est à mon tour. Je vais le trouver, ton oiseau. 6. 1. Hein? Miana! Quoi? Regarde! Amélie! C'est pas Amélie! 2, 3. Je vais aller ici. Nico, on l'avait déjà. 4. Puis là, Miana, celle-là, je vais faire 1, 2. C'est à ton tour! Yeah! T'as l'air de me faire avoir encore une fois. Brasse-moi ça. Oups. Yeah! Tu peux avancer de 3 plus 2. C'est combien ce 3 plus 2? 3 puis on rajoute 2. Ça donne combien? 5. Tape là, t'es donc bien bonne! Parfait, alors tu peux avancer de 5 le voleur. 1, 2, 3, pas 5. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Et puis? Un fruit bon! Ton dernier bon fruit. Alors là, toi, au prochain tour, faut que t'ailles à l'étoile puis tu gagnes. Moi, il faut que je trouve c'est lequel. 6. Attends, pas tout de suite. C'est à moi avant. C'est à moi. Ici, 1. On l'a déjà. 2, 3, 4, 5, 6.
Fait que là, toi, pas mal sûr que tu gagnes. Oh boy! Oui, 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 ça faisait 1, 2, 3, t'es à 5. Et puis, qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui ai gagné! Ok, puis là, mettons, je vais essayer quelque chose. Est-ce que ton personnage, c'était Charlotte, avec le beau petit collier en perles? C'était-tu Charlotte? Non. C'était qui? Peux-tu me le dire maintenant ou ça va rester de même? C'était Irène! Bon, moi donc ça. Ah! Ma tabourette! J'étais si près du but. Alors voilà, les amis, vous venez d'assister à, non pas une, mais deux parties de Mimos et Sam, accompagnées de la belle. Emiliana. Puis t'es pas juste belle, hein? Non. Non, t'es quoi d'autre, non, aussi? Emiliana, la caille. Ouais, puis t'es quoi, mettons, t'es pas juste belle, t'es un... Qu'est-ce que je te dis souvent la nuit? T'es intelligente. Oui. T'es rue. Mais. T'es enrhumée. Je dis que t'es rusée. Rusée. Hein? Capable. Non! Je dis que t'es intelligente. Like commenter. C'est juste ça qu'on te demande! Come on! T'as aimé le vidéo? Y en a plein ici pour être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey!